Que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous démontrer pourquoi il est intéressant d'investir en temps dans ce jeu. Après, pour ceux qui sont pressés, on peut toujours investir financièrement, ça c'est sûr que ça va plus vite. Donc, pour vous faire cette démonstration, je vais simplement vous mettre un chronomètre avec 6 minutes de temps, pas plus, comme ça vous allez vous en apercevoir par vous-même. Donc pour le comprendre, je vais simplement, déjà moi à mon niveau, remettre mon compteur à zéro au niveau de mon entrepôt d'œufs. Donc pour ça, eh bien je clique sur mon entrepôt, je collecte, ça tout le monde sait comment on fait. Ensuite, je vais vendre mes œufs. Pareil, tout le monde sait comment on fait. Et là, vous voyez, hop, je suis à zéro. J'enclenche mon chrono. C'est parti pour 6 minutes. Je me remets ici dans mon entrepôt. Hop, et voilà, les chiffres commencent à défiler et je laisse tourner. Et nous allons attendre comme ça 6 minutes. Alors, je vous rappelle quand même quelques règles de base. 100 œufs égale 1 or et 7850 or égale 1 dollar. Le principe de ce jeu, c'est quoi? Eh bien, c'est le principe du revenu passif. Qu'est-ce que le revenu passif? Eh bien, c'est un jeu, une activité dans lequel, en fait, ça travaille pour vous. Tout seul, même quand vous n'êtes pas derrière votre écran d'ordinateur, même quand vous n'avez pas le smartphone d'allumé et même quand vous dormez. Autrement dit, ça travaille 24 heures sur 24. Donc on va laisser défiler les 45 secondes qui restent pour voir ce que sur un temps de 6 minutes, le jeu me rapporte. 6 minutes, c'est vraiment pas grand-chose, hein. Après, il faut faire le calcul, le ratio sur ce que ça rapporte sur 24 heures, bien entendu. Mais ça, c'est un calcul à la portée de tout le monde. C'est très vite fait, hein. Moi, j'ai mis 6 minutes, j'aurais pu mettre 5, mais bon, j'ai mis 6. Voilà. Donc, je reclique sur hop pour réactualiser. Entrepôt, où je suis à 8682. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, on a presque fini. Vous voyez, 3, 2, 1, 0, timer. Hop, terminé. Je réactualise. Un dernier petit coup. Voilà, parce que je veux voir où j'en suis. Et je suis à 9136 lingots d'or. Je vous rappelle que pour avoir 1 dollar, il faut 7850 or. Autrement dit, là je vous ai parlé pendant 5-6 minutes et ce temps écoulé avec vous, eh bien j'ai gagné 1 dollar. Donc 1 dollar pour 5 minutes, ben je trouve que c'est plutôt pas mal. Qu'en pensez-vous? Voilà, je vous laisse à votre réflexion. Je vous laisse faire le calcul pour voir donc 1 dollar pour 5 minutes, combien ça peut faire pour une heure. Le calcul il est vite fait. Et bien entendu, combien ça peut faire pour une journée, soit 24 heures. C'est ça le principe du revenu passif. Voilà, j'espère avoir été assez claire avec vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.